De l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait à Simon le pharisien, « Tu ne m'as pas embrassé. » Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. « Tu ne m'as pas fait d'onction sur ma tête. » Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Une pécheresse s'avance vers Jésus. Une femme que tout le monde pense impure. Pourtant, au cœur de sa misère, elle trouve au fond de son cœur cet élan très pur qui sort des mains du Créateur et que le Sauveur vient réveiller. Jésus sait trouver les désirs les plus profonds et les plus beaux du cœur humain, ceux que l'homme lui-même ne parvient pas à trouver. Avant même que Jésus donne l'exemple du lavement des pieds, Marie-Madeleine, par amour de son Seigneur, inaugure ce geste avec un amour encore souillé de sa vie de pécheresse, mais un amour bien réel qui sait toucher le cœur miséricordieux de Jésus. Répétons ensemble. Seigneur, apprends-nous à t'aimer comme la pécheresse. Seigneur, apprends-nous à t'aimer comme la pécheresse. Seigneur, mets en nos cœurs le désir de te trouver. Seigneur, mets en nos cœurs le désir de te trouver. Seigneur, donne-nous l'amour qui vient de toi. Seigneur, donne-nous l'amour qui vient de toi. Prions. Seigneur, apprends-nous à aimer malgré notre péché. Fais surgir en nos cœurs cet amour très pur que tu y as déposé. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Thank you.
De l'Évangile selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus n'a pas seulement apporté l'amour sur la terre. Il est venu apporter cet amour qui va jusqu'au bout. Cet amour qui est longanime, serviable, qui n'est pas envieux, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Cet amour qui ne passe jamais. Saint Angèle de Foligno avait entendu cette parole de Jésus. « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Effectivement, ce n'est pas pour rire que Jésus a aimé. Il a aimé jusqu'à en mourir. Il s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort. Avant la manifestation sanglante de cet amour, Jésus montre l'abaissement nécessaire pour entrer dans cet amour dont Dieu seul est capable. Répétons ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour le service de tes frères. Béni sois-tu, Seigneur, pour le service de tes frères. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ta vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don de ta vie. Prions. Seigneur, nous savons que tu nous aimes, mais nous ne voyons pas jusqu'où va ton amour. Montre-nous tout ce dont ton cœur divin est capable, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture.
puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Sachant que le Père a tout remis entre ses mains, Jésus veut aussitôt se remettre entre les mains de son Père. Entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà le langage de l'amour dans la Trinité, un don réciproque et infini. Cet amour est le cœur de Trinité. Il est au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer ou concevoir. Mais le Christ peut le manifester aux hommes en se faisant serviteur. Le Seigneur des Seigneurs quitte la table et se retire de sa place de maître en s'abaissant devant ses amis. Il s'abaisse aussi devant son Père, de qui il tient tout. Répétons ensemble. Merci Seigneur pour tant de bonté. Merci Seigneur pour tant de bonté. Merci Seigneur pour tant d'amitié. Merci Seigneur pour tant d'amitié. Merci Seigneur pour ton cœur brûlant d'amour. Merci Seigneur pour ton cœur brûlant d'amour. Prions. Seigneur, apprends-nous à nous abaisser devant nos frères, comme tu te remets éternellement entre les mains de ton Père. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
De l'Évangile selon saint Jean. Jésus arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Comme il est difficile de se laisser aimer. Voilà pourtant le premier pas à faire. Être servi par son maître. Être élevé devant celui qui est au-dessus de tout. Voilà qui est déconcertant. Trop déconcertant pour Pierre. Trop touchant peut-être. Cela met le cœur de Pierre à nu. Lui qui est prêt à prendre l'épée pour servir le Christ comme un guerrier en armure. Pourtant, il lui faut passer par là. Il lui faut non pas servir d'abord, mais se laisser servir. Par la force de ton esprit, Seigneur, apprends-nous à mieux nous aimer. Par la force de ton esprit, Seigneur, apprends-nous à mieux nous aimer. Par la force de ton esprit, Seigneur, apprends à nous laisser aimer. Par la force de ton esprit, Seigneur, apprends-nous à nous laisser aimer. Par la force de ton esprit, Seigneur, sanctifie notre vie. Par la force de ton esprit, Seigneur, sanctifie notre vie. Prions. Seigneur, permets que nous puissions servir comme toi, tu nous as servi. Comme toi, tu es venu nous purifier le cœur, permets que nous puissions nous laisser toucher et purifier par ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
De l'Évangile selon saint Jean. Quand Jésus eut lavé les pieds des disciples, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Le geste est simple à comprendre. Pourtant, Jésus demande à ses disciples s'ils ont bien compris. C'est que cette simplicité renvoie à un abîme de mystère. Le Maître et Seigneur s'est abaissé. Pour un homme normal, cet abaissement est déjà difficile. Mais pour que l'homme comprenne que c'est la particularité de l'homme qui est Dieu, il faut une véritable transformation du cœur, une véritable conversion. Et sans cette conversion, il n'y aura pas d'amour véritable. Répétons ensemble. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Seigneur, apprends-nous à servir comme toi. Seigneur, montre-nous la joie du service. Seigneur, montre-nous la joie du service. Seigneur, donne-nous la force du service. Seigneur, donne-nous la force du service. Prions. Seigneur, viens changer notre cœur, que nous comprenions véritablement avec quel amour tu t'es abaissé pour nous laver et nous purifier. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tout votre cœur à vos frères qui souffrent, et vous serez les fils de votre Dieu et Père. Partagez votre amour à vos frères en détresse, alors vous recevrez la vraie joie en partage. Pardon à celui qui vous hait, vous aurez en retour le pardon du Seigneur. Libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls, alors vous connaîtrez la tendresse des autres. Thank you.
Portez-vous au secours de tout homme au combat. La justice et la paix vous seront accordées. Tendez une main forte à celui qui faiblit. La force du Seigneur comblera votre vie. Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux un moment pour adorer en silence le Seigneur Jésus présent au milieu de nous.
prêtre va bénir les malades avec le Saint-Sacrement. Adorons le Seigneur avec eux. Regarde, Seigneur, tes enfants, réunis de toutes races et toutes langues, bénis-les de tes bénédictions. Seigneur, tes enfants qui s'unissent dans leur corps à tes souffrances, bénis-les de tes bénédictions. De leurs frères, bénis-les de tes bénédictions. Amen. 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 Am
célébrant la mort de Jésus-Christ, nous avons tout remis aux mains du Père. Nous avons tout remis aux mains du Père. Il nous envoie porter l'espoir du jour qui vient parmi les pauvres de la terre.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Poursuivons notre journée. Les écoles du soir qui vous sont proposées pour aujourd'hui sont à la page 103 de votre carnet. Ensuite, après le repas, nous nous retrouvons tous ensemble pour la procession mariale. Rendez-vous pour 21h à la prairie. Amen.
Buonasera. Ci prepariamo alla recita del rosario in italiano. La prima indicazione che vi chiedo è quello di mantenere il silenzio. Qui la grotta è un luogo di preghiera e di meditazione personale, non è un luogo di chiacchiera, nemmeno un luogo dove si risponde al cellulare, dove si fanno selfie e cose di questo genere. Cerchiamo di rispettare il silenzio onde favorire la preghiera di ciascuno di noi. Prima di iniziare la preghiera vi verranno distribuiti dei brevi foglietti dove è scritta la preghiera sub tuum presidium, sotto la tua protezione, e la preghiera a San Michele Arcangelo, così come il Papa ha chiesto a tutta la Chiesa di pregare in questo mese di ottobre. Poi questo piccolo pieghevole potete tenerlo. Una seconda indicazione è questa. Vi chiedo di spegnere i vostri telefoni cellulari affinché non disturbino durante la preghiera. Possiamo farne a meno se per mezz'ora non siamo connessi con il mondo intero, il mondo sta in piedi lo stesso. Una terza indicazione è questa. Cerchiamo di pregare a coro unico. Che cosa voglio dire? Ciascuno di noi deve ascoltare la persona che ha accanto, perché senza accorgersi qualcuno di noi corre eccessivamente in avanti, qualche altra persona ritarda, qualche persona ha un tono della voce eccessivamente alto e questo non favorisce la preghiera corale. Dobbiamo essere particolarmente attenti ed ascoltarci. È molto bello quando una comunità prega a voce unica, è una sinfonia, altrimenti diventa una cacofonia. La prima parte del Padre Nostro, dell'Ave Maria e del Gloria al Padre è pregata dal sacerdote, tutti noi risponderemo con la seconda parte. Da ultimo, la benedizione che verrà impartita è valida anzitutto per le persone, perché al Signore e alla Madonna stanno a cuore le nostre persone, e poi è valida anche per tutti gli oggetti di pietà e di devozione che portate con voi. E mantenendo il silenzio ci prepariamo. Grazie. Dans quelques minutes, on priera le chapelet en langue italienne. Je vous demande de garder le silence. Ici, le lieu de la grotte, c'est un lieu de prière et de méditation personnelle. Ce n'est pas un lieu de bavardage. On ne répond pas au portable, on ne fait pas de selfie ou n'importe quoi. Essayons de garder le silence afin d'aider la prière de chacun de nous. Merci. Merci.